Le professeur Alexandre Koumandoumbé est l'un des historiens camerounais les plus engagés autour de la recherche sur les exactions de la période coloniale. L'université estime qu'une commission d'experts sur les crimes de l'administration coloniale française au Cameroun est inopportune. Les archives, bien sûr, vous pouvez les fermer, comme les États font souvent. Mais à partir du moment où vous dites que maintenant c'est ouvert, mais vous les ouvrez, vous n'avez pas besoin d'une commission. Pour faire quoi? La commission là va faire quoi? Le président français Emmanuel Macron a désigné le bassiste camerounais Blik Bassi et l'historienne française Karine Ramondi pour co-diriger la commission mémorielle sur les assassinats politiques au Cameroun pendant la période coloniale française. En plus d'infantiliser les Camerounais en s'adjugeant l'exclusivité des nominations sur une question commune entre le Cameroun et la France, l'Élysée affiche une impression de prudence suspecte aux yeux du professeur François Dikoumé. Il faut qu'il y ait une concertation, que ce soit en parfait accord, qu'on désigne les principaux responsables de la commission. Ils ont désigné et le français et le camerounais. Bon, le camerounais s'occupe de la partie artistique, mais la partie la plus importante, c'est la partie scientifique. Côté camerounais, les autorités ne se montrent pas particulièrement enthousiastes à l'idée d'une déclassification des archives coloniales. Certains analystes expliquent ce choix par le rôle controversé que certains responsables ont pu jouer à cette période tragique. Il faut qu'on commence à dire l'histoire dans ces pays africains. Est-ce que ça éclabousse les responsables en place? Mais bien sûr, mais ça va éclabousser. Sauf que l'histoire ne pardonne pas. Cachez les archives. Cachez, mais il y aura un jour. Vous cachez, vous ne cachez pas. C'est une question de... C'est-à-dire une question de temps. De source dans les milieux universitaires, près d'une vingtaine de travaux scientifiques ont été réalisés ces dernières années sur les crimes de la colonisation française au Cameroun. Des assassinats de près de 500 000 personnes entre 1947 et 1971, particulièrement dans les régions du littoral et de l'ouest.